Salut tout le monde, c'est Lucas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Find the Flopa Morph avec les derniers morphs de la zone du zoo qui sont arrivés aujourd'hui, donc ce samedi, qui sont quand même assez stylés. Bon, du coup, voilà, on va regarder ces derniers morphs en détail. Alors, du coup, on va commencer avec le Meerkat Flopa, ensuite le Hippo, le Flopa, le Polar Bear Flopa, le Rengeteng Flopa, le lion, et pour terminer, la girafe qui est un épique. Donc, c'est assez rare qu'on termine sur un épique, mais si vous voulez. Ok, donc on va commencer tout doucement avec le Meerkat Flopa. Avec les autres Meerkats, allez, on y va. Et les Flopas Robux, il n'y en a pas des nouveaux. Ouais. Donc, allez, on y va donc avec les autres Meerkats. On y va. Alors, le Meerkat Flopa. Oh, il y a des petites caisses. Il y a des petites caisses pour aller en haut. Donc, alors là, c'est pour aller sur le Gigi, je pense. Attends, les Meerkats. Donc, c'est quoi ça? C'est un rhino, ça? Ou c'est un rhino, ouais. Parce que les Meerkats, ils sont où d'habitude? Parce que quelquefois, ils disent des conneries. Là, c'est le gorille. Ça, c'est la Rengeteng. Ça, c'est le tigre. Là, c'est du pot. Et après, c'est tout. Hein. On va pas que le Meerkat. Ah, il est là, je crois, le Meerkat. Ah, c'est quoi ça? Meerkat Flopa. C'est un Flopa Meerkat, ça va. Ok, le suivant, c'est le Hippo Flopa. Alors, un tout petit hippo dans de l'eau. Ok, donc on y va. Ah, par contre, ouais, il n'y a pas les achievements parce qu'ils sont en anglais, donc je pourrais pas les lire. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va, c'est pas compliqué. Parce que ça fait quand même à peine 2 minutes qu'on a lancé la vidéo, donc quand même. Hein, Ah non, là, ça me l'air un espèce de hobby de la mort. Bon, il faut rester. Ah non. Il n'y a pas un moyen aussi. Il y avait un moyen, il y avait un petit truc. Un tout petit hippo. Mais un tout petit hippo dans de l'eau. C'est étrange. Je vois que dalle. C'est pas. Je sais pas si c'est dans de l'eau au pif, mais. Ou c'est dans le truc des hippos. Je sais pas combien de cul, mais. Ça doit être ça soit dans le truc. Parce que. Je vois que dalle, donc je sais pas. En dans de l'eau. Attends, il y a les crocodiles maintenant. Ok, je crois qu'ils les ont rajoutés. Ils sont beaux les crocos. Hein. Ils sont très bien faits. Là, c'est un tigre. Plein de loups partout. Là, c'est le orang-outan. On verra ça après. Ensuite, là, c'est quoi? Là, c'est les gorilles. Donc, il n'y a rien. Le capybara, c'est possible qu'il est dedans. Non? Il est dedans. Ça peut être possible. Ça, c'est un serpent. Parce que dans de l'eau, je comprends pas là. Un petit peu dans de l'eau. J'ai cru que c'était ça pendant une seconde, mais non. Et non, par contre, ouais, il n'y a pas eu de Flopa autour du shop. Hein. Et puis en face, un jour. Ouais, dans de l'eau. Ah. Il y a toujours pas de Flopa hein, dans le truc hein, dans le là, dans de l'eau dans beaucoup d'eau je comprends pas hein, c'est assez chaud juste un vieux truc mais et même dans le truc du hippo je vois que là hein. Ça peut pas être en dessous de l'hippo non ou dessus. Ah non, si c'était au-dessus, c'est peut-être un peu trop logique. Hein.
de chez les rhinos, peut-être. Non, là. C'est genre tous les endroits où il y a de l'eau, mais... Ouais, en fait, j'ai réussi où il y a tout le tour, mais il n'y a rien. Hein. Ah, c'est quoi ça? Hippo, flopa. Salut, je suis un flopa, hippo, ça va? Ok, maintenant le polar bear flopa. Le polar bear flopa est sur un rocher. Et dans un rocher, ou je sais pas où, mais bref. Hein. Mais bref, donc les polar bear, ah, ils sont ici. Qu'est-ce qu'on a? Wow, il y a beaucoup d'eau ici. Sur un rocher. Ah, c'est quoi ça? Polar bear flopa. Salut, je suis un flopa polar bear, ça va? Ok, maintenant le ringteng flopa. Assis sur un arbre. Ok, donc on y va. Pour l'instant, les traductions, elles sont pas si dures que ça à lire. Donc ça me sauve un petit peu. Donc le ringteng assis sur un arbre. Donc ça m'a l'air encore un petit hobby. Pas si difficile que ça, je pense, en théorie. Donc, hop, voilà. Ah, dommage, j'avais vu, je crois, un truc. Ah non, c'est liquide. Hein. Ah, si, sur un arbre. Enfin, mais c'est sur quel arbre? Il faudra tout garder. Instant de karma. Hein. Ah, c'est un hobby ça. Ok, bon, c'est le hobby de la girafe. On verra ça à la fin. Là, non. Je sais pas si les orangs-outans sont enfuis, mais c'est assez étrange. Et pour l'instant, on voit que dalle. Je crois qu'il y en avait un quand même chez nous, mais là. Ça, c'est le tigre. Ah, c'est quoi ça? Ah non, il est pas au-dessus d'un arbre. En fait, il est à côté. Ok. Rengeteng, flopa. Salut, je suis un flopa au orang-outan, ça va? Non, en fait, je suis un lynx mélangé avec un orang-outan. Oui, c'est un peu dégueulasse. Hein. Ok, donc du coup, passons difficile avec le lion flopa. Le roi qui est sorti du zoo. Ok, bon bah, over the zoo, donc je pense que dire qui est parti du zoo, donc c'est parti, donc ça signifie potentiellement qu'il est peut-être dans la boutique, hein, qui sait, mais ou dans un bord de la, dans un coin de la map, vraiment. Peut-être dans la boutique, peut-être parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la boutique. Ouais, que dalle derrière. Non, il n'est pas là. Tac. Donc il a quitté le zoo. Par où en fait? Over the zoo. C'est joueur en regardant comme ça, mais. Pas non plus très facile. Pas facile, hein. Peut-être possible de le trouver, hein. Ah, peut-être il est au-dessus, peut-être. Non. Ah, peut-être si, hein. Ah si, il est au-dessus. Ah, c'est quoi ça? Lion, flopa. C'est, je suis un flopa lion, ça va? Je prends Giscard de la lion. Ah, c'est de la vie. Ah, je suis éternel. Éternel. Bon, passons aux choses sérieuses avec le dernier flopa de cette zone et de cette vidéo, le girafe flopa, bien haut. Ok, bon, bah, on y va. Attends.
Ah, j'ai cru que le jeu a été remis en français, mais ou bien où c'est forcément le hobby qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, ça m'a l'air un hobby vraiment chaud parce que j'avais vu tout à l'heure le hobby comment il était extrêmement chaud. Bon bah on va aller avec le tapis volant et le voici, girafe flopa, et c'est Mary qui nous manquait. Salut, je suis un flopa girafe, ça va? Et bah oui. Et c'est la fin de cette vidéo sur cette zone de la zone du zoo. Alors c'était très facile, donc on va faire le top 3 des flopa parce que la zone est finie maintenant. Donc en numéro 3 nous avons, je suis pas si sûr de mon choix, donc je pense qu'on va prendre le Capybara. En numéro 2, nous avons les toilettes flopa. Enfin, tellement drôle. Et en numéro 1, nous avons le lion flopa. Donc, je vous dis à demain pour l'épisode de Ropette. Et n'oubliez pas, tchuss!